Le bois mort sait qu'il a perdu. Et il se battra jusqu'au bout. Pas mal visé, nomade. Ouais, j'ai un peu d'entraînement. J'imagine. Mais ne vous en faites pas. Vous serez en sécurité au service. Vraiment. Alors, c'est vraiment vrai? De la bouffe, de l'eau, et des gens qui vivent avec un vieux blanc? Plus ou moins. Oula, attends, je vais te donner de l'eau. Ça va. Casse. Oh, on dirait de la putréfaction. Mais c'est la pire que j'ai jamais vue. Ça va. Je vois pas pourquoi... Il faut l'emmener au service, et vite. La doc est sa dernière chance. On ferait mieux d'y aller. La nuit va bientôt tomber. Ça alors? Lui, c'est Rigler. Appelez-moi Riggs. Je te tiens, ma grande. Surtout, ne vous en faites pas. On va prendre bien soin d'elle. Bienvenue au service 13. Hé, hey, t'en fais pas. Riggs a raison. Elle s'en remettra. Hé, hey, ça va pas? C'est qu'une migraine. Hé, hey, hé, hey, Clémentine. Attends, je vais te donner de l'eau. Ça va. Non. Non, ça va pas. T'as besoin de repos. Beau. C'est le maire du service. C'est pour ça qu'il se croit responsable de tout et de tout le monde. Écoute, je vais aller voir Ford, et puis je vais me reposer.
D'accord? J'ai vécu bien pire, tu sais. Bon, nomade. Ton ami va s'en tirer. Je suis Beau Ward. Et ça, c'est le service 13. Vous devez venir de loin, vous deux. La racine faiblit et tout, mais prendre la route reste dangereux. Qu'est-ce que vous faisiez dans le coin, d'ailleurs ? Eh bien, vous serez en sécurité ici, tant que vous en aurez besoin. Je me doutais pas que quiconque savait ce qu'on faisait ici. C'est plutôt agréable, pour tout te dire. Eh, si t'as besoin de quoi que ce soit, suffit de demander. Oh, et commence par rendre visite à Ford. Je suis sûr qu'il voudra te rencontrer. Salut. Est-ce que tout va bien ? Eh, je me réjouis qu'on soit tombé sur toi à ce moment-là. T'avais réveillé un sacré nid de bois mort. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu autant d'un coup. Oh, grâce à Wally. Il nous a prévenu que quelqu'un arrivait. Et puis c'est Clémentine qui est parvenue à te trouver. Ils ont une sorte de sens de la racine, si je puis dire. Ils ont compris que là où la racine se concentrait, il y avait sans doute quelqu'un en danger. Et c'était toi. Non, c'était quelque chose d'autre. Clémentine, elle est incroyable, mais elle a un sacré passif. Je ne suis pas au courant de tout ce qu'elle voit, mais je... On se fait du souci pour elle, c'est tout. Elle est incroyable, pas vrai ? Personne ne comprend vraiment comment elle fait, même pas elle. Mais l'air autour, après les avoir lancés, il est électrique. Comme le soleil après un orage. Elle est spéciale. Et directement responsable de notre sécurité aujourd'hui. Je suppose que oui. C'est moi qui gardais le vieux service il y a une bonne vingtaine d'années. Je donnais des coups de main à droite à gauche, tu vois. Mais à la mort de la commandante Ford, le fondateur et elle m'ont donné la responsabilité de la ville, en gros. Peut-être que personne d'autre ne voulait le faire, je sais pas. Mais le service est la seule famille que j'ai jamais connue. Je ferai tout mon possible pour protéger ces gens. Oh, je te remercie. Je sais pas, j'imagine que je prends soin de moi. Je mange sain, je me couche tôt, tout ça. La commandante Ford disait toujours qu'un chef ne peut prendre soin de personne s'il n'est pas capable de prendre soin de lui-même. J'essaie juste de vivre sainement. J'imagine qu'elle l'a appris du fondateur. Il est là depuis des lustres. Bien que lui-même ne soit pas vraiment un chef né. Je saurais pas te dire. La commandante parlait de lui comme s'il était mort et enterré depuis bien avant ma naissance. Tu vas devoir lui demander toi-même, je suppose. Mais il n'est pas comme nous autres. Il en a beaucoup vu.